Rebonsoir tout le monde, rebonsoir à tous, rebonsoir à toutes. De retour. On va pour une petite partie encore tranquille, on va se refaire un petit random. Je vais essayer d'aller vite, je vais essayer de m'entraîner à aller vite dans ce jeu. Ah oui, non, mais alors ça commence mal, ça commence mal. Je vais essayer de m'entraîner à aller un petit peu plus vite, à ne pas prendre 3 ans pour me dépêtrer des niveaux. Oh là, le double spawn d'araignée, ça race la bombe à chiottes. Allez, j'aurais dû prendre la feuille mâchonnée, je pense que ça aurait été plus intéressant. Tant pis. Oh oui, bah allons-y de toute façon. De toute façon, je suis parti pour faire n'importe quoi si je veux aller vite. Voilà, ça part bien. Oh, le mulligan, très très bon premier objet. Une sorte de guppy affaibli. Tears down, super. Les ambiances. Les grosses ambiances. Allez, famine. Famine, ça devrait bien se passer normalement. Le tout, c'est d'être prudent. Forcément, un bol of bandages. Et un orbital, ma foi, c'est plutôt pas mal pour se protéger, donc on va garder. Ça, c'est super bon esprit. Ça, j'aime. De quoi récupérer ma vie. Grosse salle de l'angoisse. Avec son lot de mouches. Quand on a un dégât rachitique, c'est assez compliqué. J'aurais pensé qu'il serait mort. Mais visiblement, il est plus résistant que je n'imaginais. Petite salle de merde. Super. 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 Objet. Je vais essayer de pas mourir de suite comme un caca.
je le prends, même si le Steam Sale en solde est fort intéressant. Ah, mon cher Grimace, bonsoir. J'espère que ça va bien. J'espère que tout va bien pour toi. Bienvenue. J'ai suivi la trajectoire du projectile de cette mouche juste pour le fun, juste pour dire que je peux le faire. Elle est placenta, ouais. Régénération, c'est cool. Allez, pas le temps, faut y aller. J'espère que ça va bien, mon cher Grimace. En ce lundi soir, on ne connaît pas sa vie, mais est-ce que c'est vraiment très grave? Je ne suis pas sûr. Et merde! Deux clés, forcément, je vais les garder. Voilà, magnifique. C'est exactement ce que je cherchais. Bon, allez, j'accepte de m'en prendre une aussi au retour, c'est pas grave. Ah, changement d'horaire. C'est sûr, il faut un temps d'adaptation avant de s'y faire. Ah non, mais s'il te plaît. Non, mais s'il te plaît, petit couteau, merci. Bravo, bravo, gros sac. Du coup, je vais peut-être éviter de faire trop des conneries. Salut Snithers, bienvenue. Bienvenue à toi. J'espère que ça va bien. Allez, le boss, un petit Chad. Chat, bon, petit dégât, il aurait fallu que je fasse gaffe. Est-ce que je veux vraiment un little Chad? Allez, du range, pourquoi pas. Mode speedrun, un mode j'ai pas le temps, mode faut y aller. Et faut dire que quand on piffe le mom's knife, forcément ça aide à gagner du temps. Alors ce qui ne m'empêchera pas plutôt de mourir comme un sac, parce qu'après tout je suis pas un pro player, ça se saurait. Bah écoute, ça va. J'espère que ça va bien toi aussi. Oui, si tu veux, je prends plein de dégâts gratuits. Si je la jouais plus posée, plus tranquillou, ça serait peut-être mieux. Oh oui, ça sent le début de run pété. Après, on... Faut concrétiser, faut marquer l'essai. Et c'est pas encore dit. Hop là, voilà. Magnifique, on a une charge de D6. Oui mais non, je vais pas perdre du temps dans la petite salle d'arcade, on va avancer. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah non, mauvaise évaluation de la distance. Oh, je pensais que ça passait.
petit rocher marqué, ça forcément. On va le prendre. Aucune raison de le laisser sur le côté, sur le bord de la route. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah oui, non mais Brimstone Ludovico Technique, y a pas photo. Il y a zéro photo, il y a zéro embrouille. Ouais, forcément, il fait. Oh là là, Curse of the Lost. À tous les coups, il y a une salle secrète ici, quand même. Ouais, ça se sentait trop. Ouais, pourquoi pas après tout. Ah, et si ça se passait par ici en fait. Et si la vérité se trouvait dans cette salle-là. Un bruit de micro qui bouge. Est-ce que c'est pas le son des touches? Non, enfin. Parce que mon micro est sur un pied, donc il ne bouge pas. Par contre, il y a le bruit des touches. Bruit des touches qui font un bruit un petit peu sourd. Et cette salle-là, vraiment... Vraiment, cette salle-là... Je sais pas, j'ai du mal. Hop là, petites ambiances. Temps de réaction catastrophique. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, oh, c'est rigolo. C'est rigolo. Ah, il y avait une charge de D6, j'aurais peut-être dû prendre la charge. Bon, c'est pas bien grave non plus. Ouais, je pense que c'est les touches. Je pense que c'est mon clavier, les touches du clavier qui fait ce bruit. C'est très étrange, j'ai l'impression qu'il n'y a que le soir que tout le monde les entend. Et ça m'inquiète, je trouve ça bizarre. Bon bah Little Steven, allons-y. Et je ne sais absolument pas... Attendez. Je ne sais absolument pas comment faire pour empêcher qu'on l'entende. Qu'il faudrait peut-être que je vais finir cette salle et je vais tenter une chose. Ouais. Deux secondes. Non, deux secondes. Je teste un truc. Alors vous allez me dire si maintenant c'est un peu mieux. Ouais non c'est très étrange, certaines personnes l'entendent, d'autres non. Mais apparemment ça, c'est bien les touches de mon clavier qui produisent ce petit son sourd désagréable que certaines personnes entendent en fond. Est-ce que niveau micro ça va déjà ? Est-ce qu'on continue à bien m'entendre? Oh bah oui. Une clé, une bombe pour ça, moi. Je dis pourquoi pas. Oh là! J'ai fait le mouvement qu'il fallait, c'est-à-dire provoquer les tirs des ennemis et me remettre dans le champ de leur attaque.
Ok. Bon, on va voir si... C'est-à-dire que je vais tout simplement baisser le niveau à partir duquel le micro s'ouvre. Donc théoriquement... Je fais n'importe quoi. Je fais officiellement absolument n'importe quoi. Tellement concentré sur les gros qui sautent que j'en oublie qu'il y a d'autres ennemis dans la salle. Et je suis à un demi-cœur et je vais mourir. Alors ça c'est cocasse. Je vais pas le prendre, mais après technologie 1... Enfin, après technologie 0.5, technologie 2. Là, je vais mourir. Bon. Faut avouer que je fais un petit peu n'importe quoi, ce qui n'aide pas, évidemment. Peut-être que le speedrun, c'est pas pour moi, en fait. C'est une possibilité. Ah bah non, j'allais envoyer la bombe. Oh, je suis déçu. Il a préféré suicider plutôt que se prendre la bombe de son pote que j'avais savamment placée. Je dirais que ça va. Sur le vue-mètre, j'ai l'impression que le micro ne s'active pas. Ah ouais, la run avec Mom's Life loupée. Run avec Mom's Life loupée, mais tout simplement. Enfin, disons que si j'avais peut-être pris plus de temps dans les premiers niveaux pour explorer, pour me faire un stuff, de la vie, ce genre de truc, et si surtout j'avais du talent, ça serait peut-être allé au bout. Alors, autant c'est un basement, autant ces salles sont relativement ennuyeuses. Venez à moi les petits enfants. Ah oui, joli. Ouais, ben ils sont bienvenus à moi. Hein. Le problème, c'est qu'il y en a un qui m'a pété à la gueule. Ah, la salle d'objets. Ben, forget me now. Forget Mina, oui mais non, parce que je perdrai mon D6. Allez, on va se chercher une petite run pété. Pour se venger de cette run couteau complètement craqué, enfin complètement raté plutôt. Tiens, qu'y a-t-il ici? Qu'y a-t-il? La belle merde. On va voir ce que ça donne, ça. Oui. À zéro skill, plutôt, oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah non, mais je suis pas du tout réveillé, là. Je pensais tout simplement que cette pauvre petite larve...
allait mourir, et finalement, en fait, non. Finalement, elle était bien vivante. C'est beau ça. Ouais, le mulligan, ouais. Ah ouais, non, mais j'ai un petit peu tout perdu, là. C'est terrible. Qu'est-ce que je fais? Oh, c'est embêtant. Bon. On se concentre. Tout va bien se passer. Hop, voilà. Parfaitement évité. On se protège derrière des cacas. Voilà. Ouais. On a eu un cœur et deux soul heart, si je dis pas de bêtises. Voilà qui est intéressant. Ah, j'aurais peut-être dû prendre un objet de Guppy, c'était gratuit, mais le Guppy scolar, bon. Alors que ça, par contre, le contract from below, ça va permettre d'avoir plus de loot. Ouais, ce qui, en début de partie, est pas forcément trop mal. Par contre, j'ai pas de clé. Oui, non, toujours pas de clé. Visiblement, c'est embêtant pour pouvoir rentrer. D'accord. Bon, deux cœurs, ça me fait plaisir, mais vraiment, je souhaiterais une petite clé. Sans vouloir commander le jour, bon, on va ouvrir ce coffre. En revanche, petite pilule sympathique. Bon, au pire, j'utilise mon 2 de pique, mais j'aurais aimé l'utiliser quand j'avais un petit peu plus de clés pour les doubler. Ça aurait été quand même plus intéressant. Mais je sens que je vais être obligé d'utiliser maintenant. Salle, il me semble ne jamais tomber sur ce genre de salle jusqu'à présent. Oh, c'était un petit peu risqué, mais voilà. Et j'arrive à me faire toucher au dernier moment. Je trouve que c'est bien joué à l'op. Salle d'objets.
Oh, c'est un peu tout pourri tout ça, c'est un peu tout pourri tout ça. Donc, où en étions-nous? Petit rocher marqué ici. Je le vis bien. Allez, un petit objet sympathique. Technologie. C'est rigolo, technologie, c'est rigolo. Ah oui, non mais vraiment, si je pouvais juste arriver à jouer un petit peu mieux, ça serait pas mal. À la recherche de la run pété. Bientôt dans ta télé. Pour l'instant, c'est plutôt à la recherche du skill. Ou à la recherche du talent. Oui, c'est très impressionnant. J'aime bien frôler le danger. C'est toujours plus excitant, finalement. Oh, belle prise. Les petits gurglings. Eh merde! Ah oui! Ah oui, j'ai fait cette connerie! J'ai fait cette connerie! Oh magnifique! Magnifique! Ça, c'est quelque chose que j'aime! Bon, pas de clé, pas de thune! Ma foi. Avançons. Basement 2, encore un Curse of the Lost. Le seul souci que j'ai avec technologie, c'est que j'ai parfois du mal à calculer où l'alarme touche. J'ai parfois l'impression qu'elle va toucher et je vois que l'ennemi ne se prend aucun dégât. Oui. Ça, c'est très bien. Ah bah avec un petit technologique one-shot le caca, on ne voit pas ce qui pourrait mal se passer. Le best bud, ouais, bon. C'est pas l'item du siècle. Par contre, on a beaucoup de thunes et ça aurait été intéressant de pouvoir aller dans le shop. Et encore faut-il trouver une clé. Forcément, est-ce que si je re-rentre dans la salle, magnifique. Du coup, je vais prendre ça, alors que peut-être que j'aurais dû économiser pour avoir
la batterie. Et si on ne tente rien. Du coup, les petites piécettes, je serais pas contre. Alors le flatworm avec technologie, je ne pense pas que ça change grand chose. Ah, on s'approche, je vais aller reroll le best bud. N'est-ce pas en trouver quelque chose de beaucoup mieux encore, le broken hank. Soit. Je pourrais bomber la machine de dons aussi. Ça serait complètement viable. Ah ben voilà, parfait. Ah, joli, joli. Tellement concentré sur les autres ennemis que... Bon, on peut faire les quatre coins de la salle, hein, pas de soucis. Allez, un petit dévilgué, c'est tout ce que je demande. Oui, allez. Soyons fous, tentons. Un petit tir, c'est petit tears up. J'avoue, je suis pas contre. Bon, du coup, je vais l'acheter cette batterie. Et je vais aller encore reroll l'item du niveau en espérant que cette fois j'ai quelque chose de bien. Ouais, vous n'avez pas rêvé, hein. C'est bien un objet de merde. Bon, au moins j'ai des clés. C'est toujours ça. Du coup, je vais pas me gêner. Et puis, niveau suivant. Parce que Wither dit touch, bon, j'aurais peut-être pu le prendre, mais faut pas déconner non plus. Les catacombes. Décidément, un petit peu de mal à me réveiller. Ah, c'est dommage, je ne les one-shot pas. Bah alors, ça décède pas. Voilà. C'est quand même beaucoup mieux. C'est quand même beaucoup mieux quand elle décide de lâcher prise sur la vie. Petite esquive au dernier moment, tout est calculé. Ah. Petit caca récalcitrant. Touchette, c'est dommage. Et surtout que c'est un cul-de-sac. Ah, ça par contre, c'est les salles parfaites.
beaucoup de cœurs. Ah oui, mais c'est vrai que du coup, tous les cœurs sont doublés comme le reste des objets, une petite charge. Regrimace. Ah bah dis donc, il te faudrait un petit peu de repos. Oh, le bel objet tout pourri. Peut-être que ma voix te berce, peut-être. Je ne sais pas. Allez, le boss, The Dark One. Oh mince. Alors c'est très marrant parce que tu dis ça parce que en fait j'ai fait un petit peu de radio. Quand j'étais plus jeune, rien de bien extraordinaire. Hein. C'était une radio étudiante au collège lycée. Enfin au lycée j'étais. Et j'ai fait un petit peu de radio. Pas longtemps, mais c'est marrant que ça ressorte. Oh le tears up de ouf, malade mental. On n'est pas loin d'avoir une technologie constante. Ça serait concept. Je vais peut-être finalement arrêter les streams d'Isaac pour me reconvertir et faire des streams de relaxation. Évidemment, je deviendrai ensuite gourou et je demanderai à tous mes fidèles adeptes de me filer tout leur fric. Dans le but évidemment de les libérer d'un poids bien trop important. Ah, un petit homing tears. Ah, j'avoue. J'avoue qu'un petit homing tears, si on tombe dessus. Hey, Dark Creeper, bonsoir, bienvenue. Bienvenue. J'espère que ça va bien. Oui, non, mais évidemment. Évidemment qu'il n'y a pas que le fric qui compte dans la vie, mais. Je demanderai les deux. Je commence par le fric. Et ensuite. Évidemment, les adeptes, les membres devront partager. Pour le bien de tous, pour le bien de la communauté, évidemment. Bah écoute, ça va bien, Dark Creeper, ça va bien. Des petites parties tranquilles, encore une fois. De la détente. Vais-je avoir un David Lille? Petit Magic Mushroom. Petit Magic Mushroom et petit Krampus. Ouais, ça m'aurait étonné. Le contrat m'aurait étonné. Qu'est-ce qu'il va me donner? Un petit Lump of Coal? Bah c'est parfait. Bah c'est parfait. Plus qu'à trouver l'item du niveau. Et ma foi, on sera bien. On sera très bien même. Bon, malheureusement, c'était pas ce que j'espérais, mais il fallait la tenter.
Non mais c'est-à-dire que dans l'optique vient de devenir gourou, il ne faut pas brusquer la dette. À moins que ce soit des adeptes qui finalement préfèrent garder leur pognon plutôt que leur femme. Ou leur mari. Évidemment, pas de discrimination. Le mascara dev. Alors, le mascara dev fait du damage up. Il fait un tears down sévère. Et un shot speed down. Mais comme on a technologie, le shot speed down, on s'en fout. Ah, je ne t'ai pas add. Add à quoi? À quoi ne t'ai-je pas ajouté? Ah voilà, déjà on voit qu'entre Grimace et Snithers, on n'est pas d'accord sur le ce qu'il faut prendre en premier. Oh, j'ai envie de tenter. J'ai envie de faire n'importe quoi, j'ai envie de pourrir cette run, j'ai envie de voir ce que ça donne. Non, mais ça va, c'est pas si terrible que ça. Franchement, c'est pas horrible. Certes, ça fait un gros tears down. Ah, Steam, pardon, je n'ai pas vu que quelqu'un avait essayé de m'ajouter. Oh, je suis désolé. Ah, par contre, les dégâts d'un tir, j'ai l'impression que c'est devenu quelque chose d'assez vénère. Moi, je l'aime bien comme ça, mon technologie. Regardez-moi ça en one shot, ces mobs. C'est quand même puissant. Qu'est-ce qu'on a dans le shop? On a une boom up. Bah ouais. On va prendre la clé, on va prendre le soul heart. Super. Alors comme vous voyez, Curse of the Maze qui a décidé de me troller jusqu'au bout. Là on est parti, c'est la rigolade. Ah, le jeu est un petit farceur. Bon bah finalement beaucoup de quoi recharger de batterie, voilà, je cherchais le terme. Et finalement, aucun objet à reroll. C'est vrai que Ludovico Technique et Technologie, je n'ai jamais eu l'occasion de tester. Ça serait intéressant. Des fois, des liaisons comme ça qui apparaissent. Une liaison sauvage apparaît. Allez comprendre. Les profondeurs. Ah oui, c'est assez intéressant. Algalas destruction. Ah, parfait. Oh, très joli. Allons-y. Ah oui, si j'ai du tir. Alors le descend. Comment dire? Le descend, donc, qui est un D4 plus un D20 plus un D6, un D4, D6, D20, combiné. Donc le D4 qui reroll tout le perso, le D6 qui reroll un objet, et le D20 qui reroll tous les pick-up.
Mais en même temps, j'ai un début de perso pas dégueulasse. Alors, j'aimerais bien, par exemple, trouver Ludovico Technique. Ou un petit homing shot. Alors du coup, le descend, bon, c'est mignon le descend. J'ai quand même de sacrés bons objets. J'ai le halo, j'ai le magic mushroom. Ah, la relique, c'est pas mal. La relique, c'est pas mal. On va tous les attendre là. Ils vont rien pouvoir faire. Non mais ouais, là, ça aurait été une partie pourrie. J'y serais allé au dessin parce que ça aurait été rigolo. Parce que ça aurait été très rigolo. Mais là... Là, j'ai trop envie d'essayer d'avoir quelque chose de mieux. Ah ouais, non mais voilà, tout le monde méga reroll, méga reroll. Bon, je l'ai déjà reroll, donc c'est fini, c'est... Mais ouais, non. Je sais pas ce que le beau jeu aurait indiqué, voyez. Parce que là, quand même, on fait du dégât, hein. Mine de rien. Ah oui, le... Ah, 3 speed up. On va prendre 2 speed up, ça sera largement suffisant. Parfait, magnifique. Pourquoi ce caca ne veut pas se détruire? Merci. Allez, la miroir. Oui, non, quand même, niveau dégâts, c'est pas dégueulasse. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas dégueulasse. Bon, j'arrive quand même à faire n'importe quoi et me faire toucher. On va reroll l'item. Si j'arrive à retrouver mon chemin, ce qui n'est pas dit. Si, ouais. Quoique la relique. Ah, un petit abaddon. Non, un petit pacte. Moi, je serais pas contre un petit pacte. La relique, c'est cool quand même pour avoir de la vie. Donc finalement, on va rien reroll dans ce niveau. C'est con. Mais c'est comme ça. Il faut que j'ai encore une fois... Ah ben, Curse of the Blind, là par contre. Là par contre, ça va être les petites ambiances. Ah ouais. Ah, c'est dommage, j'aurais pu le reroll ça. Si j'avais su. Si j'avions su. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à faire à connecter le technologie, tout se passe bien.
va bien, tout va bien, tout est calculé. Ah oui, mais il y a un objet, il faut que je sache ce que c'est. Ah mais moi, Kamikaze, ça me gênerait pas, parce que Kamikaze est un objet, donc je pourrais le reroller. Crystal Ball. Ah, la Crystal Ball. Et du coup, la Crystal Ball, je serais bien tenté de la garder, en fait. De toute façon, faut être honnête. En ce qui concerne le D6, on va en avoir... Il y a éventuellement The Chest, évidemment, mais entre-temps, on va quand même en avoir beaucoup moins besoin. Sweet Suffering. Gimpy, c'est pas mal. Bon objet. Donc peut-être que l'abandonner au profit de la Crystal Ball serait une bonne idée. Ça c'est du HP up. Super. Super. Bon, au moins on sait quoi reroll dans ce niveau. Voilà, merci. Il va falloir passer par cette grande salle, donc autant s'en débarrasser de suite. Ah, d'accord. Ah bah j'ai hâte de voir tes streams, mon cher Dark. J'ai hâte de voir tes streams. Rappelle-le-moi quand même, parce qu'il y a de fortes chances pour qu'entre-temps j'oublie. Comme un sac. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ah oui, j'ai cru que j'allais pouvoir connecter le tir. Et évidemment que non. Ah, Gimpy qui va commencer à faire le taf, donc a priori ça c'est un... C'est un Steam Cell, oui, mais bon, de toute façon, je sais déjà ce que je veux reroll, donc. J'ai fait cette connerie de foncer comme un gogol. Je pense que c'est un running gag. C'est très très fort. Bon, voilà, une charge de D6. Je vais trop vite en fait. Je me déplace beaucoup trop vite. Une sale D6, j'avoue. Qu'est-ce que je cherche? Non, c'est dans le shop. Enfin, non, ici. Mais qu'est-ce que ça va être? Je trouve ça pas trop mal, je trouve ça honnête. Bon, donc maintenant ce que je vais faire, c'est aller récupérer la Crystal Ball.
Les sous, on s'en fiche. Et ça passe pas. Et ça passe pas. Ah bah alors là, je n'aurais pas cru. Parfois, trop vouloir bourrer, évidemment. Le drame se produit. Non, c'est là, mais... Que fait-il ? Alors moi, j'aime bien... Évidemment, quand ça ne va pas assez vite, c'est un problème. Mais quand ça va trop vite, c'est un très gros problème pour moi aussi. Bravo, touche, bravo, une mouche. Une mouche à merde qui a réussi à me toucher le Polaroid. Évidemment, et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir... Ben, je suis obligé de le prendre. Oh, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Ah, Borderlands 2. Ah, ben, tu t'entendras bien avec Oli, puisqu'il en a, il y a joué pendant un bon moment à Borderlands 2. Ok, Snitters, eh bien, bonne nuit, bon cours de même. Merci d'être passé. Et à bientôt, j'espère. Bonne nuit à toi. Bon, alors maintenant, on vole. On vole, on a les tirs spectrales. Les tirs spectraux, devrais-je dire. Donc ça devrait bien se passer. Et ouais, voilà, du coup, comme technologie est aussi un tir perçant, finalement on se met bien. Bon, on va aller récupérer la salle super secrète parce qu'on est à côté et que pourquoi pas. Ou alors je fais le sac en fait. Et là il y a un soul art quelque part, oui voilà, ici. Et en fait on aurait dit que je faisais n'importe quoi. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Ah dommage, j'ai tellement cru à l'objet de Guppy. Ça aurait été, c'eût été tellement beau. Ben voilà, un deuxième objet de Guppy. Ah mais non, un troisième, on est Guppy. Ah ben voilà, c'est bon, c'est parti là. J'ai déjà eu mes trois objets de Guppy. J'arrive même pas à savoir quel est le troisième. Ah bah oui, Guppy's Tail, suis-je bête. Mais quel con, quel sac à merde. Oh bah ça va bien se passer, je sens. Finalement en deux salles c'est plutôt bien passé. On a eu finalement notre partie craquée. Ah j'ai hâte d'affronter Eclipse. Ah, je m'en fous, je vole. Non, j'ai pas forcément envie de plus de vitesse que ça, du coup. Alors qu'ici,
il y a un soul art et que ça serait con de partir sans. Après cette partie, Binding of Isaac 1. Merde, je voulais pas le prendre. Bon, bref, c'est pas grave. Après cette partie, Binding of Isaac 1, je sais pas, je verrai. Parfait. Parfait, parfait. On est juste à côté de la salle. La salle secrète. Ah oui, je pense que ça peut être très très drôle, effectivement. On va gagner du temps. On va gagner du temps. Oh, le petit salopard. Voilà. Bon, on va aller voir ce qu'il y a dans cette salle parce que ça m'intéresse. Voilà. Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Oh ben petit goat head. Alors, ouais, mais en fait c'est trop tard. C'est beaucoup trop tard. Mais c'est gentil d'y avoir pensé. Parce que je pense que je pourrais tenter parce que ça ira vite et surtout je commence à être fatigué donc ça risque d'être très drôle. Ça risque d'être très drôle. Ah non, mais j'aurais tellement espéré un petit objet. Non mais de toute façon le souci étant que on n'aura plus de Devil Deal. Bon par contre un petit infamie je suis pas contre. C'est dommage, j'aurais bien aimé rentrer dans la salle d'Eclipse avec un max de mouches, mais finalement, bon, on se contentera de ce qu'on a. Et c'est déjà pas mal. Je vais quand même récupérer le petit soul art qui s'est paumé ici. Histoire de dire, et cathédrale. Les mouches noires ne font pas de dégâts. Ah dommage, j'aurais tellement cru au Joker. Ils faisaient bien des dégâts les mouches noires dans le premier Isaac. Je ne comprends pas. Ah bah oui. Bon, des clés, pourquoi pas. Et un HP up parce que, oui, effectivement, je ne m'attendais pas à autre chose. Non mais ça va, je pense que niveau dégâts, on est pas mal. Je pense que niveau dégâts, on est pas mal. Alors ça, je suis étonné.
semblait pourtant qu'elle... que toutes les mouches faisaient des dégâts dans le premier. Encore un HP up. Ma foi, c'est pas trop mal parce que j'ai The Sun, donc au plus j'ai de cœur rouge, au plus finalement je pourrais récupérer de la vie. Si dans l'hypothèse où évidemment je fais le sac à merde. Et je perds beaucoup de cœur. Qu'est-ce que fait le Wub Wub? Je pense pas que ça change grand chose. Ah oui, c'est ça, c'est deux The Sun. Allez, Isaac. Oui, mais c'est vrai que j'ai The Soul. C'est vrai que j'ai The Soul, donc les projectiles sont légèrement déviés quand ils arrivent vers moi. Ah oui, on en est déjà à cette phase. Il a même pas eu le temps de spawner un de ses potes. Regardez, tout. Finalement, tous les projectiles d'Isaac qui se retrouvent déviés de mon personnage s'il s'approche un petit peu trop. Alors je pense que le Blue Baby ça devrait bien se passer. Je pense que le Blue Baby ça devrait bien se passer. Ah, Hades. Avec un Curse of the Lost, super. Ouais, et ça va être tout en fait, parce que les autres, je m'en fiche un peu. Ah bah tiens, le retour de Death. Hey, ça fait mal. Le sac de bombes. Ou pourquoi pas. C'est vrai qu'en plus j'ai Guppy Style, donc un max de coffres. Oh, parfait. Parfait. Moins parfait. Ok, ça en fait un de moins. Et ça en fait deux de moins. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau, ça. C'est beau, un petit objet comme ça. Oh là là, regardez-moi ça. Regardez-moi les dégâts des mouches. Ah mince. Je suis bien content d'avoir mes mouches contre cet enfoiré de The Bloat. Oh bah ça va aller assez vite aussi. Cette violence. Cette violence, bah voilà, on a trouvé le boss. La crédit carte qui sert à rien.
Et Temperance qui sert pas à grand chose non plus. Bon, bah c'est parti. Hein. Bonjour. Voilà. Bon, bah c'était vraiment très compliqué. Donc tu veux du Isaac de base, d'accord. Alors le temps de changer vite, on va quitter le jeu.